Le secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme, Mohamed Nabil Ben Abdallah, s'est entretenu jeudi à Rabat avec Marco Enriquez Ominami, fondateur du Parti progressiste du Chili et ex-candidat à l'élection présidentielle. Cette réunion a permis aux deux partis d'examiner les aspects de la coopération entre le Maroc et le Chili dans différents domaines. Le PPS œuvre pour la consolidation de ses relations avec ce parti chilien, vu ses origines et ses orientations, est aussi en raison de son appartenance à la gauche du Chili, qui d'ailleurs soutient la cause nationale du royaume, notamment la question du Sahara. On a parlé un peu des défis du Chili, des défis du Maroc, ainsi que très content d'être ici et d'écouter des dirigeants politiques qui ont un rôle sur le présent et le futur du Maroc. Donc très content, une réunion politique avec, au nom de mon parti, le Parti progressiste, et le parti de plusieurs partis du progrès, bien sûr. On a fait des rendez-vous, donc on va trouver des moments de rencontre et j'espère de dialogue pour faire de nos peuples des peuples plus démocrates, plus progressistes et plus justes. Élu député du Parti socialiste lors des élections de 2005, Ominami s'était porté candidat à l'élection présidentielle chilienne de 2009, arrivant troisième avec plus de 20% des voix. La Fondation Progressa, qu'il préside, est une organisation à but non lucratif dont la mission est de concevoir, proposer et évaluer des politiques publiques progressistes dans des domaines relatifs au renforcement des institutions et la lutte contre la pauvreté.